Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis consultant data scientist chez Equimetrix depuis un an. Je suis arrivé chez Equimetrix en mai 2017, après un cursus à l'École Centrale Paris. J'ai fait mon stage de fin d'études et je suis resté après mes 6 mois de stage. Quand je suis arrivé chez Equimetrix, j'ai d'abord travaillé pour un grand nom de l'industrie automobile. J'ai fait des algorithmes très techniques de segmentation de clients. J'ai fait du développement, de la mise en production de ces algorithmes. Ce qui collait bien avec ma formation. Et peu à peu, j'ai travaillé pour d'autres comptes sur des missions plus orientées marketing, notamment actuellement pour une grande marque d'eau minérale. Voilà, plus de choses à comprendre du point de vue de quel est le métier de mon client, quelles sont les données que je vais pouvoir lui demander pour pouvoir réussir ma mission. C'est des compétences pour comprendre l'univers du marketing, de la grande distribution en l'occurrence. C'est des choses qui, pour un ingénieur, ne vont pas de soi. Et donc, heureusement, chez Equimetrix, on a toute une série de formations qui nous apprennent le béaba de la modélisation, le béaba du marketing, aussi marketing digital, par exemple. On a tout un cycle de formation qui est la Equi Academy, où voilà, on a toutes les semaines quasiment une formation qui arrive. On a de manière générale beaucoup de partage de connaissances, avec aussi toutes les semaines des gens qui nous présentent ce qu'ils ont fait en mission, un peu les slides qui ont le mieux marché. Les enseignements qu'ils ont tirés de leur mission et que le client a vraiment apprécié. On a régulièrement des déjeuners du machine learning où c'est un peu plus orienté technique pour un peu se tenir au fait de ce qui se fait en mission chez Equi, mais aussi en dehors dans la recherche. Une des choses qui m'a beaucoup plu chez Equimetrix, c'est vraiment beaucoup de partage de connaissances. Au-delà de ça, il y a une ambiance d'entreprise qui est vraiment très agréable, belles opportunités d'apprendre plein de choses. Moi, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé que je ferais. J'ai fait un peu de développement d'application et j'ai même participé à un hackathon en Espagne qu'on a fini par remporter. Donc, pour le moment, c'est que des bons souvenirs avec Equimetrix et j'espère que ça va continuer.